représentant de la famille Lavalas, qui c'est Leslie Voltaire. Est-ce que ça t'a dit pour vous, colonel Himmler Ribut, qui accompagnait le conseil résidentiel là pour faire non seulement par expertise libre et sous question installation qui a été faite dans le palais national là, malgré Leslie Voltaire du confier, l'installation a fait dans le palais national, mais il y a Gagnon qui a frappé et sous champ de masse là. Est-ce que ça t'a dit pour vous, colonel Himmler Ribut, et tu as fait partie du conseil présidentiel ça, ou bien tu as fait partie du conseil présidentiel là, alors que nous connaissons la Cour de cassation qui était toujours à Cléon? Bon, moi je pense que. Enfin, je salue tout auditeur, je salue Elis, je salue Wesley, je salue Evnab, je salue tout le monde qui est dans la émission. Et moi je pense que, d'entrée de jeu, colonel Himmler Ribut, pour me poser un acte de sagesse, l'idée pour la Cour de cassation, moi-même, tout l'idée pour la Cour de cassation, mais ce n'est pas la Cour de cassation qui peut assurer l'intérimat, c'est un conseil présidentiel qui a été mis en place. Je pense que, aujourd'hui, ça qui est important, c'est Haïti. On nous garde qui collaboration de Gabay pour le conseil présidentiel qui a pris en place pour être capable de jouer le rôle qu'il a pour jouer. L'organe position en matière politique, ça ne veut pas dire que son bagage qui figé, les dynamiques, dépendamment de l'évolution et situation, ou qu'a toujours et modelé comportement par rapport à la réalité. Je veux dire, même si on est pour la Cour de cassation, même si on est pour le Conseil présidentiel, même si on est pour l'autre solution, il y a une réalité. La réalité, c'est le Conseil présidentiel qui a été, qui a été publié au moniteur, qui gagne charge pour mener la transition. Eh bien, votre collaboration ou kabaili à conseil présidentiel là, dans la mesure où conseil présidentiel là gagne responsabilité pour mener pays à, enfin, sortir pays à la situation difficile que l'IA et mener vers une normalité. Donc pour moi, ça ne veut pas dire que vous quittez position côté gagnant, ça veut dire tout simplement que vous collaboration à pays à, ou bah collaboration à solution qui propose pour pays à sortir de la situation que l'IA. Dans l'introduction, là, on dit ou t'es pour la Cour de cassation. Ça veut dire qui ça? Ou pas pour la Cour de cassation encore, ou bien on appuie sur le Conseil présidentiel? Non, mais écoutez, donc encore, une position politique est dynamique. Moi, t'es pour la Cour de cassation parce que je pense, enfin, de façon jurisprudentielle, c'est la Cour de cassation qui t'a et solution qui puis semble la Constitution. Mais je vous dis, l'ensemble du pays a d'accord pour l'autre bagaille. Je ne vais pas arrêter pour me dire non, on est dans la Cour de cassation. Non. Je pense que, encore une fois, ce qui est important, c'est que le pays a sorti dans la situation que l'IA. Que c'est la Cour de cassation, que c'est le Conseil de Ménini. Je vous dis, ce qui est important, c'est la collaboration nous, pour nous sortir dans la situation que l'IA. Et je pense que la collaboration, on veut dire collaborer avec les gens qui ont une responsabilité, je vous dis, pour sortir le pays dans la situation que l'IA. Listo. Mm-hmm. Président Vanel, nous sommes nous avons une émission ici à déjà, les nous avons essayé d'évaluer les dégâts qui ont causé dans le pays. Nous sommes nous allé dans l'université, mais plus précisément, nous sommes nous allé dans Kiskeya, qui était déjà pris l'amoué, et non seulement pas effectif, mais les professeurs ont fini par sauver le pays. Et les nous avons gardé les dégâts, nous avons dit, mais pour nous redémarrer le pays, ça. Et combien de temps ça va le prendre nous? Non seulement pour nous gagner ressources humaines, mais également en termes d'infrastructure. Combien de temps ça va le prendre nous pour nous essayer de remettre le pays sur rail et puis pour nous penser, pour nous capable aller vers le développement. Mais par rapport à la situation à empirer là, président Vanel, et yo craser presse nationale, yo craser et bibliothèque nationale, yo craser et plusieurs déjà et commissariats, sous-commissariats, yo craser pharmacie et mais pendant week-end ça c'est faculté de médecine avec pharmacie et que monsieur rentré yo craser yo pillé. Et est-ce que son bagage qu'a fait pour mettre pays à non retard de 30 à 40 ans, ou du moins, est-ce que c'est une façon même pour éliminer nous? Parce que lorsque nous finissons de courir pour remembrer le système éducatif ça, au plus haut niveau, au niveau supérieur, donc, combien de temps ça prend nous? Est-ce que volonté seulement pour suffire pour permettre nous sortir là, président Vanel? Non, mais la volonté peut-être, c'est une bonne chose, mais les moyens, c'est autre. Voilà.
Moi pense que moun ka fè pose zak sa yo ou ta rentre dans tête ou mande ki sa exactement que yo vle. Est-ce qu'ils veulent le pouvoir? Est-ce que vous voulez que Haïti continue à exister? Est-ce que vous avez Haïti dans la tête que nous-mêmes nous ne savons pas qui s'allier? Mais qui ça vous voulez exactement? Est-ce que c'est la folie de détruire que vous gagnez? Est-ce qu'il y a détruit finalement? Est-ce que Mounsa aussi haïtien? Est-ce qu'il y a prêt en Haïti? Est-ce que petit, est-ce que famille a continué à vivre dans le pays? Si c'est des gens qui étaient responsables et qui ont une réflexion minimale par rapport à ça, ils ont compris que la logique de la destruction l'y conduit tout simplement à la disparition d'une société. Ouais. Parce que j'ai fait là, et c'est parce que qui dans rien. Dans le week-end, il y a 19 policiers, tu vois. Ça qui est passé là. 19 policiers. Nous ne pouvons pas gagner ça. Donc, écoute, je pense que, monsieur, nous faut poser peut-être une question. Ça qui a fait là, dans qui objectif que l'a fait? Exactement. Côté vous voulez arriver exactement? Est-ce que c'est vraiment la volonté de participer dans un pouvoir? C'est comme tant de te dit, faut que dans le conseil présidentiel, il faut que dans ça qu'on le fait là, il la donne. Est-ce que c'est en façon pour vous dire que faut que dans ça qu'on le fait? Oui, mais vous même vous voulez faut que dans le conseil présidentiel là, mais faut que vous ayez un résultat. Mais là au fin fait toute destruction ça yo. Comment vous espérez un résultat? Non, même pas quoi, il y a une logique de résultat du tout. Dans la logique, par quoi, c'est comme c'est la force qui mène là, c'est les âmes qui nous mènent là, qui fait aucun droit de citer, qui fait aucun droit à la parole, qui fait aucun corps, qui fait tout le bagaille. Donc, logique, les âmes nous pour eux, l'a toujours continué et il a toujours continué à manifester jusqu'à ce que y arrive à prendre plus de place dans la société. Moi-même, c'est ça, plus ou moins comprendre. Mais maintenant, tu as compris, je dis, ou qu'on fait tout le bagage avec un baronnet pour ne pas cacher ta soleil. Oui. Ou pas cacher ta soleil. Bon, non, mais jusqu'à présent. Ça l'est dit. Mais quand il y a une action suicidaire, je pense quand même au cas. Voilà, ça, c'est l'autre bagage. Donc, moi, je pense que, encore une fois, nous avons besoin d'une réflexion minimale qui fait bon côté. Non seulement nous-mêmes, mais beaucoup de particulièrement, et me font appel pour ta font-y réfléchir à ça, vous voulez, à vrai, à qui Haïti que vous pensez, pour si ça a fait jour et jour, dire qu'à permettre de jouer Haïti demain que vous voulez. Parce que la logique de la destruction, la logique de la violence, si par exemple, l'autre bras, c'est violence. Mais finalement, la violence, c'est une ou l'autre qui a perdu. Donc, je dis à. Je pense que la réflexion va être un petit peu beaucoup plus profonde. Il faut permettre que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous essayons de comprendre. Parce que si on t'appelait que nous comprenions, il faut dire que nous voulons que ça va faire. Oui, oui, oui. Mais est-ce que. Mais qu'on y a une parole qui ça. Franchement, il est moins cherché, essayer de comprendre, me réfléchir de façon personnelle, me garder. Je me dis qui ça qui permet que nous arrivions à la situation ça. Et moi, je crois que c'est vrai, oui. Pendant un certain temps, nous avons très mal dirigé ce pays. Nous prenons un pays à un petit côté. Et dans notre ville, nous avons un petit groupe qui fait tout le bagage. Nous avons tout le respect à la guerre. Et dans une situation à côté, nous avons dit c'est pour compte l'État pas même présent pour nous. Oui. C'est vrai, nous comprenons tout ça, mais laissez l'État même qu'on a détruit. Laissez le pays à même qu'on a détruit. Finalement, à qui soit, on va vous dire. Ouais. Qui objectif? Qui visait. Non. Yeah, okay. Et président Vanel, nous connaissons un paquet de monde qui a parlé sur la question par rapport à la situation de sécurité qui pose dans le pays. Il y a un groupe de monde qui, pour le conseil, a négocié, a franchi à parler avec M. Bandi. Il y a un monde qui dit n'est pas question, qui a fait à parler avec Bandi. Mais par rapport à Jean-Marie Abdéoulé là, qui sont souhaités? Est-ce qu'on souhaite ta gon chita parler tant que j'en regarde nous et madame président et Kenya qui c'est madame Ruto en cadre yon réunion qui fait sous Zoom et bien côté vous montrer que barbecue te fait partie de conférence ça visioconférence ça. Est-ce que selon même dirigeant ici on t'a obligé à aller là tout parce que tant que j'en dis là
les tout monsieur ça yo a fait tout zak ça yo qui ça qui dans tête yo qui ça voulez est-ce que le pas important pour un monde ta connait un monde qui va diriger là ta connait qui ça monsieur ça souhaiter qui ça cap pousser yo et aller comme ça vers violence là sans garder comme ça ou proposer ça moi après rappelle que une membre qui dans conseil la journée aujourd'hui docteur Gérald Gilles t'est kidnappé. Ok, oui, oui, oui. Et après kidnapping, monsieur te fait une déclaration, monsieur dit que faut nous poser peut-être nos questions comment la société a produit de monstres comme ça. Et je dis à monsieur qui a peut-être une opportunité pour ça. Pour lui répondre à la question là. Même, parce que l'INA est conseil présidentiel. Donc ça veut dire, question ça, je n'ai pas posé là, moi pensé que professeur Gérald Gilles, dans le cadre de responsabilité qu'elle gagne au sein du conseil, avec le docteur Gérald Gilles, pardon, tu as une question, ça le demande pour nous poser, il a posé le gagne, et demande à la société, qui ça pour nous faire pour nous arriver à corriger la situation que nous avons là, je ne veux dire là. Maintenant, même si, dans le cadre de la direction de l'État, même si on peut négocier pour parler avec le monde, moi pense que ce n'est pas la violence qui nous mène à parler avec. Je pense que son résolution qui pour prendre au niveau de l'État et qui permet que nous considérer situation qu'a vivre là ligue ensemble de monde là-dedans faut pas tout le monde. Et c'est ça que fait un élément fondamental que les propositions de solution que tu gagnes enfin dans samedi ouais et que tu gagnes au palais de conférence nationale. Yo parlait de conférence nationale, ça veut dire yo parlait possibilité pour une chita par là tout le monde et ceci sans exclusion, sans distinction. Donc monsieur ça aussi haïtien oui. Yo gon bagaille dans tête, yo gon côté yo voulait aller. Yo gon bagaille, peut-être que ça yo voulait pas bon, peut-être que ça yo voulait pas correct, peut-être que ça yo voulait c'est pas le meilleur. Mais yo gon bagaille dans tête, yo, mais faut nous convaincre que ça fait pas c'est pas lui même qui pi bon pour pays. Mais pour ça fait quelque part, faut nous et nous pensons à force que l'exclusion a fait qu'il y a une plus violente toujours. Tout à fait. Donc, nous pensons que faut nous reconnaître que nous avons été violents à un certain moment dans notre forme à classe, à groupe mounsa. Nous avons été violents dans le jeune déméné société. Donc, je ne dis pas, violence vient sous l'autre forme. Il faut poser la question, il faut leur poser la question. Il faut nous poser la question à tout le monde dans la situation que nous avons dit, qui ça nous a fait et comment on a fait. Parce que ça nous constate aujourd'hui, c'est comme si dire que c'est des monde qui déviés. C'est comme si des monde qui déviés et puis quand on parle là, c'est comme si c'est nous construisons par rapport à notre charpenté et société là. Donc comme étant donné que eux même ils toujours ont des revendications et nous considérons comme des monde qui pas gagne état d'âme. Est-ce que nous capable faire confiance avec ça comme revendication côté au mandé et pour bayo l'école professionnelle pour bayo et l'hôpital bayo tout ça au besoin dans ghetto et que au lieu pour ti moun nan ouais ces ampoulement mais pour bon l'autre alternative est-ce que nous ka faire foi avec yo compte tenu que nous dit c'est des moun qui sont état d'âme que yo malgré selon Jean annoncé là censé ces gens société à charpenté qui permet jeune jeudi à n'a société victime de réaction moun sa yo parce que nous pas préparé pour être produit l'autre bagaille qui ça a bail une moi pense gain un pile mouvement déjà que fait dans niveau ghetto peut-être qui pas gain autant autant de bruit autour de eux-mêmes et gain de fois ghetto quelquefois tu quand mettre parce que tu quand ça était les ghetto unis à un certain moment tout ghetto était chita uni yo parle entre eux des bagaille comme ça yo gain des bagaille qui était défini entre eux. Maintenant, ça qui est-ce qui te prend mouvement ça, qui te mène, permettre pour, idéologiquement mettre en nos situations pour comprendre qui ça ouvre et comment on va obtenir lui. Pas quoi qu'un monde qui t'occupe déjà dans ce sens-là dans la société. Et peut-être c'est parce que justement nous ignorons depuis le commencé à, eh ben y arriver dans situation qu'on y a. Nous perdu contrôle yo et il y a des monde qui profitaient tout de situation ça parce que pas oublier une réalité que nous pas oublier c'est grand pile homme politique grand pile monde qui dans classe économique là qui profitait de situation d'ailleurs d'ignorance que yo gagne par rapport à gestion l'état par rapport à existence même dans la société yo prend yo utiliser yo pour régler affaire pas yo
et au bayo zam parce que yo même dans ghetto yo pas gain possibilité pour te toutes zam ça au départ donc si yo commence que zam c'est parce que des bayo maintenant nous bayo et nous pensons que n'a toujours contrôlé nous pensons que n'a toujours gain manette là pour nous faire ça voulez mais je dis zam dans vinn nan mayo li vinn yo vinn utiliser li qu'on y a contre société a contre nous mêmes donc et qu'on voulait ou pas nous pas d'accord à ça à faire nous pas remen li fait nous mal c'est nous mêmes qui principal victime yo mais et je le présente aujourd'hui a c'est comme si son réaction par rapport à tout ça que nous pas pas de fin et pas toute inconséquence que nous avons dans gestion l'état que je dis elle a payé conséquence donc l'essentiel journée aujourd'hui même je vous dis c'est haïtien oui on ne peut malgré pas, tout malgré tout non pas le dire même malgré tout c'est haïtien oui on ne peut pas considérer le développement de l'état on pas considérer que l'état prend un côté pour nous dire n'a exclu ça parce que nous pas haïtien non c'est haïtien maintenant mais comment un groupe monde à chaque fois qu'on parle pour monde ça yo qui presque dit que c'est défendre ou défendre yo comment un groupe monde ça yo est-ce que c'est des hypocrites c'est parce que on est qu'on sa situation rester pour continuer faire beurre yo qui ça dans tête yo pour qui ça yo aussi tranchant vers monde ça yo malgré gens yo qui contrôle le pays actuellement et moi même je crois que me dit ça une fois déjà mais c'est presque la réalité chez nous haïtiens toujours prend perception de la réalité ça que tête là pour la réalité elle-même OK. On passe jodi a très peu de monde chita froidement pour regarder ça qui passé là et pour dire réalité ça qui ça nous ca fait comment nous ca fait pour nous changer pour nous sortir là-dedans nous plus gros mal que nous voulons ça dans tête nous et puis nous réfléchir à partir de lui et puis nous proposer une solution à partir de ça en tête nous au lieu que nous proposer ça à partir de réalité on passe ces réalités à jodi a pour regarder jodi ce sont des haïtiens Corrélé au déviant, mais ce sont des Haïtiens qui prennent position en un pays à une position extrême et qui demandent que et qui demandent une forme de participation dans l'État, une forme de reconnaissance de l'État. Nous gagnons pour une bayole, mais encore une fois, m'pakwes, c'est sous l'impulsion de la violence pour nous faire. C'est au contraire, c'est dans un chita tête posée pour nous garder réalité à pour nous voir qui sa solution à long à moyen terme et court terme et moyen terme parce que couvre le ou pas Haïti ne pourra pas continuer à être dirigé de la façon de la, dont elle l'a été ces 20 ans dernières années elle n'est pas capable donc le modèle de gouvernance que nous avons adopté ne correspond plus à notre réalité ne correspond plus à nos besoins à la revendication de notre population donc finalement il faut agir pour nous battre dans l'autre modèle de gouvernance pour nous connaître d'abord qui modèle de société que nous l'est et c'est rôle conférence nationale justement définir et modèle de société que nous voulons dans 20, 25, 30, 40, 50 ans. Maintenant, à partir de ça, qui mesure pour nous adopter et qui gens nous pourra le permettre que nous arrivions à une situation pour nous capables de gérer la société, à gérer tout le monde dans la société, à, que l'État cesse d'être l'État d'un groupe ou d'une partie de la société, mais que l'État est l'État de tous les Haïtiens, le gouvernement de tous les Haïtiens, et qui dans le programme, dans le projet, penser à eux et permettre que nous arrivions aujourd'hui à enfin, prévoir un pays dans 25 ans. 30, 40 ans, qui permettent que jeunes évoluent, que la société prend soin de vieillard, que la société a lui-même gagne une possibilité pour offrir à chaque citoyen et les moyens nécessaires, les services nécessaires pour être capable d'exprimer talent et vivre dans un pays côté il fait bon de vivre. Président Vanel, et pendant la parler là, nous essayons de garder qui côté. Et ça a sorti et qui permet que je dis ces gens de réaction ça qui n'a pas de groupe ça qui nous considère comme étant un groupe marginalisé gagné et ministre affaires étrangères République dominicaine qui c'est monsieur Roberto Arvarez devant Conseil de sécurité des Nations Unies lui parler côté lui exiger et nécessité qui gagné pour ta renforcer sanctions non seulement contre gangyo mais également contre moun qui permettent gangyo et rive côté rive a soit dans financer ou bien dans accompagner yo est-ce que selon même c'est seulement groupe politique là pour nous garder est-ce que groupe économique là
pas responsable ça qui est là tout et même groupe religieux pas responsable ça qui est là. Donc sanction ça et monsieur Alvarez souhaité à communauté internationale là tout tout à fait. On nous garde ensemble non pour nous ouais qui ensemble de groupes qui favorise ça qui est là pour nous connaître lorsque nous pral pas sanction yo pour c'est pas un petit groupe qui joue une sanction qui subit sanction et puis reste la liberté la lolocol sans problème. On nous garde non ensemble de groupes qui t'a censé gagner et bien doit être trempé dans ça qui est là et qui t'a provoqué ça qui est là. Si t'as une sanction vers qui est selon même sanction ça va pour ça. Il est difficile pour cibler un groupe ou l'autre, je veux dire, parce que nous sommes tous responsables de la situation telle qu'elle est. Ok. Tout intervenant, et particulièrement, et premièrement, au niveau de ceux qui sont responsables de l'éducation de la population. L'homme d'éducation, pas seulement, et l'école. L'école classique, là, non? Ouais, l'église, tout. Ouais, l'église, en fait, tout ça que les masses médias, l'éducation en général. On nous prend des exemples. Et nous songez, on a rappelé la réforme Bernard, et qui a été décrié. Tout le monde a dit, nous pas enseigner créole dans l'école, comme si créole là sont bannis. Oui, ils sont pas toi, c'est pas une langue. Alors que le créole, c'est la langue parlée par tous les Haïtiens. Ouais. Le moyen de communication le plus facile pour tous les Haïtiens, tout Haïtien qu'on va les créoles, les bourgeois créoles, tout le monde s'en cap dire. C'est ça. Donc, moi, je prends un exemple en matière d'éducation pour montrer que et nous avons eu une éducation pendant un certain temps à plusieurs niveaux dans ce pays. Donc, si les citoyens ont un type d'éducation, l'autre ont un autre type d'éducation. Comme si tout le monde, deux personnes, n'ont pas éduqué pour la même société. Alors que l'éducation doit être faite pour l'ensemble de la société, pour au moins, basiquement, tout le monde bâtit sur le même pied parce que nous jouons la même base d'éducation qui permet que nous soyons dans la même direction, dans le même pays, nous défendons les mêmes intérêts. Ouais. Moi, je prends un exemple ça. Donc, dans l'éducation, tout le monde apprend. Nous apprend les églises, nous apprend. Ou qu'apprend et les écoles ou qu'apprend la presse même temps vaudou au côté qui gère puis le monde réuni tout ou qu'apprend bien sûr l'aime dit les églises bah exclure vaudou donc moi penser que et faut au niveau éducationnel nous vraiment gagner en éducation qui correspond à sa nouvelle puis devant et c'est un premier aspect, c'est d'ailleurs pas les secteurs. Maintenant, à part l'éducation, maintenant l'État, le gouvernement, qui ça l'État et le gouvernement mettaient comme service, ok, à l'ensemble de la société, à tout le monde qui a un problème, qui aujourd'hui a représenté problème, qui ça l'était des barreaux comme service pour montrer que lui-même il existait, lui-même il est là pour le domaine de service, pour servir et protéger. Je crois que et nous avons pris l'exemple que nous avons pour montrer que l'État est présent dans le ghetto. Par exemple. Si le président était à l'autre niveau. En tout cas, moi-même, pour peu que je fréquente le ghetto, Belé, par exemple, sur le côté que je fréquente en pile à un certain moment. Ok. Bah ouais, l'État est présent. Belé était toujours considéré comme un ghetto. Oui, il a été fréquenté dans le ghetto. Ok. Dans une zone. Ma palais est belle. Oui, bien sûr. Il était gâté. Parce que le corridor était fait, des bagages comme ça. Donc, il était gâté dans le ghetto. Là, ça. Alors, c'était une pigo ghetto que tu as gagné. Ok. Bon. Et même pas trouver l'État, tu mettais à disposition, citoyens qui sont dans le ghetto, services que tu as besoin pour que tu te vini participer ensemble avec nous dans la construction de l'État que nous besoin, dans la construction de l'État que nous espérons pour tous les citoyens. Donc l'État lui-même va répondre à l'ensemble de obligations sacrées de guerre pour le mettre service, mettre les services de l'État au profit de tous les citoyens. Maintenant, on nous garde l'autre secteur, la classe économique. Quel a été ce comportement? Est-ce que classe économique ça, j'aime participer à nos efforts nationaux de création de richesse pour permettre qu'on redistribution minimale qui fait pour permettre que tout le monde participe à la création de richesse ça. Nous voyons que c'est une classe économique qui toujours comporte l'élite comme une classe de colons
accapareur qui a exploité une situation. Je suis dans quoi bossal là, même si de l'eau l'eau senti à monter dans néo, même si yo pas well, yo pas well. Yo pas intéressé pour faire nettoyer le côté Oshita, yo intéressé pour faire l'argent sous la population qui peuple là qui a sorti dans l'autre côté qui a porté ba une vente. Donc yo pas intéressé véritablement à construire un pays côté yo même. D'ailleurs, nous voyons que classe ça, les plus à travailler en Haïti, mais la vivre dans le pays qui est à côté de nous. Ils vivent chez nous-mêmes, ils vivent Miami, ils vivent l'autre côté parce qu'ils ont des belles cailles, c'est là le week-end, là le fait, week-end, ils ont besoin de prendre plaisir, c'est là l'aller. Mais ils ne pas vivre en Haïti, ils juste exploiter. Son marché seulement. C'est ça, ils exploitent la situation en Haïti, c'est le peuple haïtien, ils prennent toute richesse et bien à la velle. Donc, classe économique, tout est pour poser la question, pour être capable de modeler le comportement, modifier le comportement, pour que la société entre dans l'objectif que les gagnants, l'objectif économique que les gagnants, l'entrée en part pour la société, pour le former, pour permettre que la société a lui-même bénéficié de la création de richesses qui fait dans la société. Et maintenant, nous parlons de trois gros intervenants là, qui t'a supposé indexer. Maintenant, la communauté internationale elle-même. Qui a financé le projet, qui dit le programme en Haïti. Mais moi, avant d'aller dans la communauté internationale, où tu as regardé le mode d'enseignement et l'église là, il y a des gens qui sont dans la zone. Non, là, on va entrer dans des bagages plus spécifiques, mais tu parles d'éducation déjà. Donc, enseignement de l'église, on ne peut pas dire d'éducation. Nous prenons l'église dans le cadre d'éducation. Parce que mon système résigné, il y a des gens qui sont dans l'aide, nous là. Ok. Ça, yo. Très bien. Ça, c'est une date de base spécifique pour l'église. Okay. Mais même de parler d'éducation en général. Ça fait partie aussi de l'éducation. L'église, le modèle, ça fait partie de l'éducation. Okay. Parce que finalement, dans un pays, l'église, même si nous ne pas entrer dans la question évangile, foi, nous ne pas dire qui j'ai pour faire, mais finalement, il faut que l'église respecte aussi les limites prévues par l'État et par la loi pour permettre que ça l'abdia n'est pas dérangé. Complètement système éducatif qu'il y a, pas mettre nous dans une situation j'en dis résigné pour dire et le pauvre quand le royaume des cieux appartient, et bien comme ça, et justement, subjectif. Il faut que ça nous arrive là dedans. Maintenant, même dans parce que je vais mettre un gros thème, pas rentrer dans le détail. Même je vais dans la communauté internationale, là, qu'on y a, parce que je pensais que la communauté internationale, on parle de responsabilité, et ceci très profond dans ce qui a passé là. On toujours fait état de. De accord janvier 2003 au Kibay Kor groupe là qui mène une côté la qui a dirigé pays depuis 2003 et qui fait presque 21 ans que a dirigé pays mais avant même ça est-ce que ça communauté internationale a jamais fait pour permettre que Haïti sorti dans situation depuis après indépendance côté nous avons dette internationale que nous payons jusqu'en des années 80 du siècle passé et depuis nous fait presque 100 ans à payer la France. En pays la France sur l'argent. Yo vini sit yo yo crasé banque centrale non. Yo prend tout ça ni comme là. Yo occupé pays a. Yo prend tout ça au besoin mais finalement yo pas jamais contribué véritablement à ce que nous sortir en tant que peuple dans situation que nous y est là. Donc je dis et tout plein qu'a fait de l'Union internationale là, on pas le dire c'est hypocrisie mais ils sont aussi responsables que nous. Nous parce que élite nous on pas jamais prendre responsabilité pour conduire pays a. Vers une société que l'Italie même définit pour permettre que nous connaissions exactement quand nous parlons quand nous voulons, mais communauté internationale parce que l'Italie nous profite de situation hein, pour qu'embêne nous une situation de dépendance on t'a dit abjecte parce que je dis c'est pas nous pas seulement dépendre de communauté internationale nous pas qu'à vivre sans lui parce que nous avons un budget dans le pays hein, nous et malgré nous pas vivre. Bon, nous ne pouvons continuer à respirer sur les autres. Parce que nous avons respiré. Donc, je pense que la communauté internationale, dans ce sens, a une responsabilité partout dans ce qu'on fait là. Et, un petit aspect très important que nous gardons, parce que c'est l'aspect organisation économique et fiscale. Parce que l'État n'a pas qu'à fonctionner s'il n'y a pas une organisation fiscale qui permette que l'entrée les fonds nécessaires pour financer des projets en pays. Je dis, et encore une fois, la classe économique, encore une fois, et les responsables d'État, à travers la corruption qu'on a institutionnalisée dans le pays, ça fait que nous pas qu'à rentrer de fonds pour l'État vienne véritablement un minimum d'indépendance par rapport au budget que l'État mettre sous place pour un ensemble de projets qu'il gagne un minimum d'indépendance pour exécuter projet ça
sans pas faire appel à la communauté internationale, sans pas faire appel à l'aide étrangère. Là. Donc, le ça a vint dépendant totalement de l'aide étrangère, là, a vint dépendant totalement de l'aide économique et internationale, là, il vint faire qu'on impose toute forme de décision, tout ça a voulu, et malheureusement, mais dans tout ça a voulu, forme de décision, il y a mené une côté là. Mais il y a un bagage à l'interne qui fait tout, oui, président. Côté que lorsque yo fin faire prélèvement taxe, bon moun ka un bon week-end, et puis l'aller lui dit plein de sacs ça pour lui, plein de sacs ça pour lui, et puis il fait outil avec l'argent ça. Donc est-ce que c'est faut pas rentrer ou dis-moi est-ce que c'est dévier ou dévier à la base ça faut nous parce que influence politique là moi d'accord avec vous, moi d'accord avec vous dans un sens, mais c'est pas lui seulement. Oui mais ça mais, est considérable tout président. Il considère parce que c'est lui qui connaît. Ok, bon, on nous dit comme ça. Parce que quelqu'un qui a fait dans le pays, si nous connaît, nous ne sommes pas aussi tranquilles comme ça, nous avons des niveaux. Nous arrêtons pour un manchette, nous ne sommes pas là. Parce que, mal expliqué, comment comprendre qu'une administration de la douane de la République d'Haïti n'est pas contrôlée par l'État. Elle est contrôlée par un groupe de famille. Ouais. Ok? Et si vous entrez au bagage dans la douane, vous pas vle. Il y a une douane privée dans le pays. Non, mais si vous entrez au bagage dans la douane, vous pas vle, les douanes, le pape des douanes. Oui. Famille ça. Ouais. C'est grave. Chaque filière, il y a un monde qui est responsable. Voilà. Donc ça veut dire, si nous avons comme ça, l'État organisé, nous ne pouvons pas chier dans le pays. Parce que l'État n'a pas qu'à organiser comme ça. L'État fait pour l'organiser pour tout citoyen qui a même possibilité, même chance pour réussir à partir de talent, à partir de ça. Nous avons fait un bagage pour nous. Je ne vais pas dire que c'est pas pour nous. Je vais dire que nous avons une redistribution faite en notre défaveur. Okay. Que nous ne pas permettre que nous ayons la même chance avec tout le monde pour accéder à la richesse. Donc, nous, je dis, nous avons une situation de corruption généralisée qui fait que ce soit dans le niveau public que privé qui met le pays dans une situation. On a dit à genoux. Nous, à genoux. On ne pas dire qu'une chita. Oui, oui. Parce que finalement, un pays n'est pas jamais capable de développer si la contribution des contribuables pas arriver dans le trésor public là pour permettre que vous financiez des projets qui sont favorables à l'ensemble de la société. Chaque fois que vous avez entré dans le trésor public là, pour l'argent, qui font l'autre route avec lui, il y a le détournement de fonds. Et chaque fois, il y a une impunité qui permet que moun sa roba jam di lan et continue à vivre, il continue à faire plus de bagarre dans le pays. Eh bien, c'est bac n'a fait, c'est continuer à enfoncer le pays dans une situation côté et l'injustice pral vin tourner justice dans le pays. Et ça que fait journée aujourd'hui, ou qu'a joué un moyen pour justifier ce qu'a fait là. Parce que ce qu'a fait là, pas justifiable. Ouais. C'est la justice. Jouer un rôle, il te met que tout citoyen a une possibilité pour avoir accès à l'éducation, pour avoir accès au logement, pour avoir accès à tout le bagage. La justice de ce pays te met dans une situation de défaite. Là, on peut parler de justice sociale. Oui, nous pouvons avoir, je dis, et matière pour nous justifier ce qui a passé là. Mais comme le pays a été toujours dirigé dans une forme d'injustice, et qui fait ensemble de citoyens qui pas jamais bénéficier de possibilités que l'État offre à tout le monde, ou obligé à chercher un genre pour justifier ce qui a passé, même s'il n'est pas justifiable, même s'il dérange tout le monde, ou obligé à chercher un genre pour parler avec tout le monde qu'on sentit qui, on dit tout à l'heure, qui semblait que marginalisé, hein, pour nous remettre en marge, pour nous remettre dans la carrière, pour permettre que nous tenions compte de eux. Et ceci, ça pas possible en bas qui facile la ponti temps pour le fait, mais faut que son résolution formelle qui fait dans le pays avec des mouns non seulement qui et croient que ça a qu'à fait, mais tout des points pour le fait parce que c'est bon cadeau pour le faire. Nous bon garanti c'est ça, une bataille féroce parce que moun qui dans système ça jeune aujourd'hui a qui a ce qu'il était parce que il a avantage il a fait beau. Que son pays qui n'a pas là, c'est nous-mêmes qui n'a pas l'air. Parce que nous avons conscience de contenir, nous avons conscience de tech là dedans, nous avons conscience de l'État qui n'a pas fonctionné là dedans. Mais nous n'avons pas conscience de ça, c'est des individuels qui décident eux-mêmes, ils prennent le pays ça en otage, ils ont fait beurre sur lui, avec complicité de la communauté internationale là. Et bien, ils mettent dans la situation que nous avons aujourd'hui là. Il est vrai que nous évoquons tout point.
et ou même bail et voie de solution, mais c'est de manière globale qu'on baille. Mais au moins faut un côté pour nous commencer avec ce qu'on dit là. Et qui est-ce qui t'a supposé bailler le temps là au niveau société là? Tout citoyen qui baille le temps. Tout citoyen. Tout citoyen qui baille le temps. Mm-hmm. Il suffit que nous capables entendre nous son bagage. Parce que je ne veux pas que je dis à nous passer un monde qui a une solution pour côté. Mais vous ne pensez pas si. Vous pensez que. Si son grand citoyen pour côté commence, il est capable de dire c'est un pose là pour lui tromper tout le monde là, c'est pas ça vrai. Mm. Parce qu'on est comme haïtien. Eh? Oui, très bien. Il y a tellement bah, nous menti, nous venons méfiants. Ouais. Nous venons méfiants. Voilà. Ah, il m'a pas là, voilà. Beaucoup de gens ne font pas de temps. Ils ne font pas de temps pour parler de ça. Oui, oui, oui. Même si c'est comme ça, il y a dit créer un état de conscience national là. Il y a des gens dans le pays qui ont fait confiance. Ils ont fait bagaille. Et l'homme dit tout citoyen qui a fait là, c'est parce que je ne crois pas que je dis une solution, il y a un citoyen. Il y a un ensemble communauté. Mais il faut gagner des gens qui sont d'accord pour yon chita, pour yon définir un bagaille pour nous faire ensemble. Mm-hmm. Et il y a un pile exemple. Par exemple, un sac pipé noir là. Et l'exemple de Cuba. Okay. Castro avec mon équipe avec Chita, et puis il dit bon, monsieur, nous allons changer ça. Mm-hmm. Parce que le pas bon, mais qui j'en paye, mais qui j'en paye, mais qui j'en paye, mais qui j'en paye. Maintenant, ça m'a dit là, je vais les gens prennent non sens idéologique. Parce que Castro était une idéologie, c'était communiste. Mm-hmm. Bon, je vais les samedi là, il n'y a pas gagné pour le. Question idéologique, okay. Liée surtout à une question d'organisation interne qui permet que nous prenions conscience des situations que nous avons, mm-hmm. que nous faisons sous obédience idéologique X ou Y, ce n'est pas ça qui est important, mais la mise en commun de nos ressources, la mise en commun de nos connaissances, la mise en commun de volonté nous pour nous sortir pays dans la situation que nous avons aujourd'hui, l'est nécessaire et c'est chaque citoyen consciemment qui est capable de chita avec un lot et qui est capable de permettre que nous dégageons leadership collectif autour d'un projet qui permet que nous puissions sortir dans la situation que nous avons aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas un bagage qui parle de nous, ce n'est pas un cadeau qu'elle a fait nous, son combat qui est lié, et je disais tout à l'heure, c'est un combat difficile parce que et la vie dure, tant que vous nous dites, et la tradition à la vie dure, mm-hmm. pour retirer lui, c'est extrêmement difficile, même si la formale, mon j'ai l'impression qu'on peut vivre avec elle, mm-hmm. alors que on a une situation, il faut qu'on change. Donc, je vous dis à la, pour nous changer ce qu'on fait dans le pays, il faut nous avoir un groupe de monde mm-hmm. qui prend conscience mm-hmm. que je vous dis à Haïti, c'est pour nous. Responsabilité pour nous changer là, c'est nous pour prendre. Oui, malgré déjà une tendance, quand vous avez dit là, on ne pas faire une confiance, mais à travers l'action, le groupe, on va le poser pour finir par gagner confiance population quand même. Vous pensez la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ok. Mesure. C'est pas bonjour matin, ça se construit. Oui, bien sûr, c'est pas bonjour matin, parce que où est le X ou Y. D'ailleurs, nous faisons ça en pile nous-mêmes, et pendant que nous méfions, mais les élections, oui, n'a voté que vous n'avez pas voté. Depuis que vous avez dit, vous avez confiance. Et puis finalement, après l'élection, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, parce que la situation du pays n'a pas permis qu'il te fait. Mais juste dit, parce que c'est besoin. Vous jouez sous besoin, vous avez dit, nous, ça, vous avez fait. C'est question de slogan. Voilà, finalement, pas gagné qui met en place pour permettre que ça n'a pas dit, nous, réaliser. Donc, et nous avons besoin de confiance. Nous avons besoin de confiance autour d'un projet, mais d'un projet construit en commun pour permettre que nous capables sortir pays dans la situation qu'il y a, parce que ça va être la mise en œuvre d'un projet de long terme. Bien sûr, le court terme, nous faut que nous tenions compte de lui, faut que nous manger, faut que l'école, faut que les cailles, ça va pas attendre. Mais à côté de ça, pas attendre. Il faut nous avoir l'autre bagaille qui dit que, mais qui est haïtien que nous avons besoin, oui, mais qui est société que nous avons cherché pour que 2050 nous commençons à vivre à lui-même, mais qui est éducation pour nous aller, et maintenant qui voit et moyen pour nous mettre en œuvre. Il y a une éducation adaptée et intégrée en même temps. Tout à fait. Et moyen pour nous mettre en œuvre pour nous. C'est ça.
Président Vanel, n'a pas appelé tous les amis, yo sur antenne Radio Téléproche, à suivre l'émission Paroa, qui c'est l'émission Café au lait. Je dis, c'est mardi, mardi 23 avril. C'est deuxième paré de nous pour ce maintenant. Tant que j'en nous constaté là, n'a pas recevoir le président Vanel Durandis, qui a commenté l'actualité ensemble avec nous. N'a pas quitté Pabo Lakay, nous, n'a fait un coup de pied au Kenya pour nous regarder. Pays ça qui offre tête li et pour le capable de diriger une mission multinationale qui vient pour venir dans le pays d'Haïti. Mais nous regardons, nous avons madame et président du pays Kenya, qui c'est William Ruto, côté que madame ni, à travers une vidéoconférence, te chita parler ensemble avec barbecue. C'est pas seulement barbecue, mais un groupe prêtre, un groupe pasteur. Bon, qui dit prêtre dit pasteur. Et qui t'a accompagné madame là pour être capable organiser eh bien conférence ça et à travers Zoom côté que était invité chef gang et chef coalition qui c'est Jimmy Cherizier du barbecue qui considéré une idée comme étant un terroriste. Et comment on comprend de ça président Vanel et il y a un problème qui posé dans niveau ça et que madame président li prend charge côté li uni là avec un groupe pasteur et puis pour chita essayer parler avec et barbecue. Comment comprendre ben ça parce que nous connais pays Kenya gen et accusation ça sous dol côté que chaque pays a essayer porter la main forte de toujours négocier avec un groupe paramilitaire. Est-ce que son bail de séan qui risque fait dans pays? Bon, moi-même, premier bail, c'est que. À qui titre, madame Nafel? Est-ce que c'est représentant Kenya? Jusqu'à présent, il dit que c'est madame président William Ruto. Oui, non, mais à qui titre que le fait? Est-ce que c'est un officiel du Kenya qui entre en communication avec le groupe Sahara que le parle avec là? Ou bien est-ce que son démarche, comme on dit, imbattable? Bon, il semble imbattable parce que même prier, parce que madame Sahara lui-même, il est déjà avec le pasteur Sahara. Ouvrons cellule de prière pour voir comment mission ça capable ici dans le pays d'Haïti. Bon, parce que détail ça yo. Une question de foi qui rentre dans justement, si la question pas une question Haïti pas résoudre pour la foi. Mba quoi ça? Mba quoi que et moi pour la question de la séparation de l'église et de l'état. Mba quoi l'église qui rentre dans la question de l'état et moi pas on a toujours prié, on a toujours croyé, on a toujours prié. C'est une bonne chose de croire en quelque chose, de croire en quelqu'un. Mais je ne sais pas quoi c'est la prière qui parle des autres problèmes. C'est des actions concrètes qui sont liées à la réalité que nous vivons là pour nous résoudre le problème. Maintenant, la question que madame Ruto est entrée en communication avec des Haïtiens pour essayer de résoudre le problème dans le fond. C'est comme si on passait haïtien, parce que le passé héroïde a fait une marche tout pour résoudre le problème haïtien. Donc pour moi, je ne vais pas le faire commenter sur ça. Si ce n'est pas un représentant officiel du Kenya qui est entré en communication avec des officiels haïtiens et pour résoudre le problème. Ça. Maintenant, tout démarche ça, il y a une importance, oui. Il y a une importance, il y a une bataille pour permettre que vous jouiez en parole avec des gens qui sont en Haïti, que vous estimez qu'ils gagnent, on part active dans ce qui a passé là, et qu'ils ont joué à partir de la prière, peut-être une façon pour jouer nos paroles d'apaisement, qu'on est d'harmonisation, bon côté. Même moi, je ne crois pas que je vais entrer dans la logique pour mal commenter, on zoom vidéo de monde qui parlait avec l'autre, qui n'a aucun caractère officiel, qui n'a pas engagé ni Haïti, qui n'a pas engagé ni Kenya. Ok. Bon, eh bien, on a tourné dans la page qui peut chauffer là. C'est question d'installation. Hier, il y a une visite d'évaluation qui est faite, d'exploration que nous sommes capables même de dire, parce que Leslie Voltaire a fait l'accompagner et de l'ancien colonel Imler Rebu pour être capable de faire une sorte d'évaluation pour eux. Est-ce que le périmètre de sécurité qui vous souhaitez mettre dans la zone palais là suffit pour ta permettre l'installation en fait? Si selon même bon maintenant on va pour dire très subjectif parce que ou pas gain donné au vrai mais quand même on fait sens ou parler au cas où il me rébute ouais eh bien question ça li matériellement impossible pour installation ta fait dans palais national et que Lucille Voltaire dit semaine ça faut installation en fait quand même. Est-ce que ou pour
installation ça t'a fait dans n'importe l'autre espace. Comment ouais question ça sur question lieu et date d'installation, parce que jusqu'à présent nous mardi et une semaine ça faut le faire et pour qu'on jour qui fixé comment on garde les gens. Nous presque font installation clandestine. Bon, l'habitude fait déjà, oui. Il fait déjà. Nous faisons un très parlementaire qui fait comme ça. Bon. Moi, je pense que nous n'avons pas besoin de conditions idéales pour l'installation, en fait, là, étant donné la situation pays. Parce que les conditions idéales, là, c'est à Jondia sécuriser tout le pays côté installation par les nationales, là, parce que par les nationales, quand même, c'est le symbole du pouvoir en Haïti. Ouais. Donc, on n'est pas capable de pouvoir en Haïti, ou pas réussi à entrer dans la Valère, ou pas gagner pouvoir. Parce que si on regarde les balages, monsieur gagne toute la rue, mais on pas réussi à dans la Valère, il aurait pouvoir. Donc, ça veut dire que ces mêmes gens, le conseil présidentiel, là, il estime pour le sentir qu'il y a pouvoir, faut l'aller dans le symbole du pouvoir, qui c'est palais national, qui c'est espace réservé à ceux qui nous dirigent. Et c'est normal. Mais moi, je pense que dans la situation que nous sommes là, je ne veux dire, est-ce que le gouvernement qui nous dirige a un palais national là? Qu'est-ce qu'il y a comme gouvernement aujourd'hui là? C'est M. Boisvert qui... Oui, la primature. La primature qui a dirigé nous, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le palais, c'est l'espace de pouvoir aussi. Donc, ça peut bien être aussi à la primature, sur l'espace de pouvoir. De laisser tout mettre notre gouvernement, et puis qu'on y a, nous capables de joindre... des solutions pour permettre que nous commencions le travail. Parce que l'installation en soi, son symbole. Mais même si on commence le travail pour mettre en œuvre et des conditions pour créer l'installation de pouvoir, c'est l'autre bagaille. Parce que je dis là, je crois qu'il y a un pile espace dans Port-au-Prince, que nous avons à Chita. Je suis sûr que nous Chita. Je suis sûr que nous travail pour nous porter des premiers éléments de solution à problème que nous avons. Donc, pour moi, l'installation, en fait, c'est l'acte solennel qui dit que monsieur prend les rênes. Mais il n'y a pas de rênes déjà parce que légalement, il y a des rênes et officialisé déjà. Donc, il y a quatre travail n'importe qui côté que vous voulez. Alors, nous ne pouvons pas faire question d'installation, tourner une sorte d'embûche à rentrer en fonction. Conseil présidentiel là. Je pense que c'est un détail qui est important. Son détail qui est important, mais il est un détail. Il n'est pas principal là. Principal là, c'est mettre dans une situation pour commencer le travail, pour commencer d'abord bailler une organisation interne pour fonctionner. Parce qu'il faut un mode de fonctionnement. Les neuf nominés, il faut qu'on. Il faut commencer à faire tout ça. Mais ce n'est pas qu'il prend plus le temps. Bon, nous avons dernière fois, ce n'est pas présidence encore, c'est coordination ou welfare. Oui, il y a quatre sous-comités. Chaque 3 mois, il y a une petite coordination. Bref, il y a faire tout une organisation, un fonctionnement qui permet que soit efficace. C'est ça que nous avons besoin nous-mêmes. Que soit efficace, que soit le type d'organisation que vous faire tout. Maintenant, installation, encore une fois, pour moi, son détail qui est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Okay. Et si le cas fait dans les meilleures conditions au palais national, c'est bien. Mais si le cas fait tout, faut nous avancer. Tout à fait, tout à fait. Même parce que nous sommes déjà dans la deuxième étape là, qui c'est chercher le premier ministre qui pourra monter le gouvernement pour permettre que la semaine prochaine, nous avons l'autre gouvernement. Parce que jusqu'à présent, c'est l'ancien gouvernement qui contrôle et la police et l'armée, qui contrôle les forces de sécurité. Il contrôle tout le bagage à qui a tout contrôle pays en Améo, les finances, tout et tout. Donc, on nous dit, vous nous sortez dans la situation ça de façon définitive. Dans le cadre d'échec en série que et chef police la pointe, qui se fait un CLB, et dans chaque salle annoncé comme action, nous toujours, c'est échec total. Mais il était bâti 72 heures de temps pour être capable d'établir conditions sécuritaires pour permettre que l'installation en fait. Et pourquoi je dis à nous déjà dans 48 heures, seulement il était 24 heures de temps. Comment ouais et continuité ou est suivi et France LB dans tête police là au cas où il pas arrivé honorer et engagement ça qu'il prend envers conseil là et envers le pays également. Oui, très bien, mais où ça dit déjà en France LB prend un pile engagement déjà pas réussi que le pays ici délivré, donc c'est pas la première fois, peut-être, si ça arrivait, que ça a privé. Mais toujours en tête police, là. Et maintenant, qui ça Kembel, pour qui ça a Kembel, nous pas mettre de ça. Et
Li ba 72 heures, li mande 72 heures, donc li déjà 48, il était 24. On nous pas fait long procès d'intention, on nous pas déjà cloué le pilori avant même 72 heures arrivé. On permet que alors on 72 heures pour permettre que lui même lui prouver qu'il capable et créer conditions de sécurité ou bien il pas capable. Les armes parce qu'il faut tirer les conclusions et là encore qui va tirer les conclusions, c'est le prochain gouvernement. Nous n'avons encore de prochain gouvernement donc et ça fait moi je pense que faut que nous fait diligence pour bailler tête nos premier ministre, bailler tête nos gouvernement pour jouer pour nous connaître définitivement à qui on a affaire et comment on exerce la responsabilité en tant que responsable de l'État, responsable du pays. Mais comment démarrer ça parce que déjà et conseil présidentiel là quand on vient de dire lui officiel parce que il a publié arrêté dans un journal officiel PIA mais jusqu'à présent et nous pour ta senti gain des choix qu'a fait au niveau premier ministre est-ce que monsieur Sayo il a tenté c'est après installation qui pour qu'on assurer qui pour certain et qui pour ta fait dans PIA c'est après installation tu vas penser à nomination pour premier ministre mais pense après installation il y a peut-être après installation pour annoncer choisi déjà. Oui, parce que définitivement, bah comme monsieur, je ne vous dis à là, encore une fois, et pas ta chita en côté pour le travail, pour la nécessité pour changer, pour mettre l'autre gouvernement, parce que finalement, le conseil présidentiel n'a pas qu'à travailler avec le gouvernement démissionnaire. Et sinon, sinon qu'il transmission de dossier, et des bagages comme ça, il faut qu'il. Parce que y a même tout, y a c'est décisionnel. Mais il n'y a pas qu'à faire mise en œuvre. Donc, même si vous avez les points, il n'y a pas qu'à exécuter. Il faut qu'on le gouvernement pour faire une décision. Donc, est-ce que vous avez commencé à travailler pour le gouvernement ça l'a exécuté? Non, parce que la diligence que vous avez pour mettre l'autre gouvernement qui est capable d'exécuter la décision que vous avez pour vous prendre, il m'a dit même l'installation de fait. Sinon, simultanément, mais vraiment, il y en a pris l'autre. Parce que je pense que c'est parallèlement là de fait, une a fait ça et l'autre a fait ça. Mais c'est vraiment au besoin que y ait un nouveau gouvernement, et parce qu'il y a un travail sur lui. Moi, je pense que ça, non, pas dit qu'il y a un travail, non, moi, je pense que faut un travail sur lui pour permettre que, et aussitôt que installé, il y a tout annoncé pour nos premiers ministres, il parle peut-être une semaine pour le former gouvernement, et peut-être former gouvernement et permettre que le pays ait un autre gouvernement, et avec un autre, avec le conseil présidentiel là, pour mettre, faire mise en œuvre de nouvelles décisions qu'on prend dans le cadre de solutions qu'on a pu chercher pour la crise haïtienne. À nous essayer, font une anticipation quand même, parce que l'ENAP fait analyse, parfois, alimenté pour nous anticiper. Et nous avons une situation de fait qui établit sous terrain là. Quel type de gouvernement, quel modèle, quel format de cas utilisé là, automatiquement, et gouvernement s'est entré en fonction pour nous sentir qui s'est entré pour nous manier. Qui ministère est supposé prioriser par ordre de nécessité pour nous dire que gouvernement ça dès son entrée en fonction pour nous commencer à atterrir. Parce que. Problème en pile. Oui. Mais l'ensemble des ministères qui est responsable de la sécurité des pays, c'est d'abord le ministère ça. La justice, l'intérieur, et la défense. Parce que le ministère de la défense. Parce que trois ministères, ça, toi, les ministères prioritaires, parce que la sécurité reste la priorité de ce pays aujourd'hui. Mais est-ce que nous avons un monde souterrain là, qui a un point qui est capable. Une fois que tu as brigué pour ça, qui est capable de faire travail ça. Ouais, 1, 2, 3, 4, ou est-ce là, nous sommes nous étions ressources humaines de jour. Ok, ressources humaines qui manquaient. C'est une bonne volonté. Parce que c'est pour les gens utiliser. Parce que quand même, aux ressources humaines, vous mettez là, c'est objectif ou Bali pour la joindre là, qui est important. C'est qui sale pour le faire. Mais il doit avoir toute volonté, toute capacité, mais qui sale pour le faire. Qui est le résultat obtenu? C'est ça qui est important. Je pense qu'on a pris des ressources humaines pour nous et doter le ministère de la Défense, de la Justice et de l'Intérieur les éléments nécessaires pour capable permettre que les personnalités nécessaires qui sont capables de prendre des dispositions pour résoudre le problème de sécurité. Bon, deuxième bagage qui est important, je ne vous dis pas, c'est la vie chère. Oui, c'est ça, la vie chère. Ça parce c'est que nous n'avons pas carrément encore. Et je pense que tout ministère qui occupe des questions, ça t'as supposé, et peut-être venir dans le deuxième point. Moi, je parlais du ministère du Commerce et de l'Industrie, je parlais du ministère des Affaires Sociales, et je parlais du ministère de l'Agriculture, quand même, qui est responsable de la production. Et sous table et tout, mais t'avais l'environnement. Avec l'agriculture, parce que quand même, c'est des bah, qui connexent, qui travaillent. Oui. Pour permettre que, pas garanti. Qui permettent que nous, t'as remembré production. À l'école là,
peut dire agricole, pas le dire national, il y a plus de la pour nous, mon position agricole là, permettre que manger nous soit disponible dans le pays et permettre que l'agence circulaire dans le pays a pas des activités sociales que vous avez fait et des activités qui permettent que la population ait accès à des services sociaux et le ministère des Affaires sociales dans ce sens a une responsabilité la donner bien sûr le ministère des Finances aussi qui peut gérer l'argent finance pays et allié à d'autres institutions comme la Banque centrale parce que monsieur ça on t'a mettre ensemble pour faire une coéquipe là pour résoudre enfin pour proposer des solutions et des pistes de solutions pour résoudre le problème de la vie chère, parce que c'est un élément qui vraiment jodi à la à bail pays à en pile problème citoyens en pile problème il y a pas qu'à vivre il y a pas qu'à manger parce que pas de l'argent qui a circulé et pas de l'argent qui a circulé et production est vraiment à son plus bas niveau donc on pense que on ensemble de ministères comme ça deux groupes de ministères ça y est t'as supposé et prioritaire dans le cadre de gestion et conseil présidentiel là et le nouveau gouvernement qui va venir. Problème la vie chère pas daté aujourd'hui à président Vanel. Nous songe et c'est un moment et président Jovenel Moïse était obligé et font chita parler avec monsieur Capin Porté et produit de première nécessité dans le pays et pour te essayer une formule pour être capable de diminuer la vie chère mais nous ouais et m'pas même quoi il pas débloqué un fonds pour être capable de subventionner une série de produits mais nous malgré ça ça pas arrivé fait est-ce que je dis à l'état ça capable et attaquer aborder problème la vie chère problème grand pour le pays a si il continue quitter question commerce dans le secteur privé bon de toute façon pas carré tirer commerce dans le secteur privé donc quitter là maintenant c'est une mais réguler là son autre parce que le ministère du commerce gagne responsabilité pour lui et appliquer la loi dans ça parce que si que pas pas fait c'est pas parce que la loi pas existé donc c'est parce que pas qu'il volonté pour le faire m'a pour exemple simple pour par exemple et dans qui produit nous bon moi pour produit qui que nous utilisons chaque jour et l'essence gasoline diesel le ministère du commerce gagne responsabilité pour la pompe pour le calibrer pompe son mesure que normalement l'homme de ministère du commerce qui était fait régulièrement pour aller au calibre pour assurer que moun ki dit le bah, galon c'est véritablement un galon le bail. OK? Ouais. Donc et ça coûte pompe. Pour suspendre pas coûte pompe. Bon. Donc pour mon autre type de mesure qu'après et par exemple le prix gaz a fixé quelque part. OK. L'état fixé là, oui. Mais la vendre n'importe qui jeune pays. Bon ça nous comprendre que c'est parce que y a problème. Ça tellement exagéré même dans pompe ça va vendre encore. Voilà. Je pense que il y a des explications que au cabaye, c'est difficulté gain pour acheminer gaz dans pompe qui fait pompe pas approvisionner à temps qui fait que rareté gaz qui a fait prix à monter parce que nous pas cas et malheureusement gourmet compte mais loi naturelle de l'offre et de la demande qui fixe prix à et pour une bagarre. Mais je pense que le ministère du commerce est capable d'intervenir dans le domaine ça par exemple moi pour aller dans le domaine Gaza il qu'a fait dans d'autres domaines OK pour intervenir pour permettre une mesure que on prend que qu'on prend que pas jamais remet parce que c'est toujours corruption le toujours fait mal mais qui jodi on va demander est-ce qu'on pas recourir à lui mais pour t'a fait plus bien et création des mesures de création d'emploi des emplois de main d'œuvre j'en ai eu qu'on dit là et ils ont fait le mal ils ont fait cobla et puis son équipe tout le temps des gouvernements ou même qu'on utilise pour faire paquet l'argent même qu'on est en pile monde dans le pays c'est paquet l'argent à partir de ça ou les cobla jouent une population c'est dans poche l'été parce que toujours fait mal toujours fait à l'idée que ils ont un cobla c'est pour gaspiller faire assainissement dans zone et puis zone là était sale et puis sale que l'assainissement a commencé et puis ils ont pris l'argent. Moi pense qu'il faut qu'il y ait des mesures qui fait que de qui t'a envisagé faire des bagages comme ça mais dans les meilleures conditions avec un meilleur contrôle et de fonds qui sortir avec des monde qui plus conscient que nécessité à journée aujourd'hui c'est vrai tout le monde a besoin d'argent c'est vrai tout le monde a besoin mais minimum que la population pour capable vivre là cap kembea faut ta faire parce qu'il y a des mesures comme ça faut apprendre au niveau du ministère des Affaires sociales par exemple pour permettre que nous arriver permettre que la population petit cop cap vivre dans menir des bagages comme ça penser et jodi là faut la banque centrale et font gens pour permettre que l'argent arrive côté
côté banque, les banques commerciales. Oui. Parce que, monsieur, des anciennes mesures que vous avez prises pour gérer la question dollars, faut avoir, je vous le dis, pour permettre que. Comme si vous souhaitez une injection faite toujours. Je ne pas dire qu'on y a qui musique qui meilleur qu'on l'autre. Ok, parce que m'a donné vraiment pour me dire musique meilleure. Même parce qu'il faut avoir parce que il est évident que je dis ensemble de musique là pas permettre que l'argent circule, pas permettre que moun gagne accès à l'argent pour ta permettre que même le adopter tout fluctuant au fait la dollar a fluctué par rapport à circulation de bagages par rapport à goudla. Mais faut que circulation dollar pour permettre que et pression faite sous goutte là, les diminuer et permettre que la population je ne souffre pas à voir ça. Donc, il y a des mesures dans le sens monétaire, de la financière et monétaire de la question, que la Banque centrale avec les finances capable de mettre ensemble pour regarder comment on peut retirer pression sur la vie chère. Parce que tout le temps, l'argent a monté plus, il y a une biche parce que nous avons acheté. Donc, là, ça. Mais nous, il faut constater, président Vanel, parfois, malgré nous, la descente, il y a des produits qui toujours grimper. Parce qu'il n'y a aucun contrôle. Parce qu'il n'y a aucun contrôle sur la fixation des prix en Haïti. Et moi, je pense que le Tegombaï, les magasins de l'État ici, qui c'était stock que l'État disposait. Et à n'importe quel moment, le prix a fluctué sur le marché. L'État a injecté sur le marché une quantité de produits qui permettent que offre et demande là. Li permettre que plus ou moins équilibré et permettre que prix baisse parce que son nèg donc on m'a mis du riz en exemple simple pour nous bayo sous qu'on m'a mis du riz puis il y a 20 monde qui besoin obligé de diviser par 20 et les sont qu'à 20 ni après vous voulez mais si on m'a mis du riz c'est deux monde qui besoin obligé de baisser prix parce que pas que 20 monde qui besoin donc ça prix a baissé c'est ça rôle magasin des ateliers à un certain moment li gagne des produits qu'il disposer pour permettre que li contrôler parce que faut qu'on stock pour qu'à permettre pour gagner influence sur prix formation de prix sur le marché. Mais malheureusement nous pas gagner ça encore comme souvent et c'est d'autres instruments monétaires et financiers qu'on gagne et que la banque et le ministère des finances disposent donc c'est eux même pour utiliser je vous dis pour permettre que nous joignent en diminution de pression sur goudla pour permettre que et prix produit baisser dans la société. N'a pas tourné n'a pas allé à président Vanel mais nous pas poser une question là qui cap baïque sauter mais quand même faut nous poser. Jusqu'à présent, il y a une bataille qui a fait dans une zone de masse entre la police avec un groupe armé. Nous avons même dit que M. Barbecue souhaitait pour rentrer dans le palais. Mais, tant que je me suis dit là, le palais est une institution presque toute l'autre institution. Mais sauf que lui-même est sacré, son espace qui est réservé à la présidence. Mais nous, monsieur, la majorité des institutions qui ont pénétré, qui ont vandalisé, qui ont pillé, après qui ont viré. Est-ce que au cas où la police est arrivée, et c'est monsieur ça qui a gagné dessus, qui a rentré dans le palais, est-ce que c'est un objectif pour faire même ça, vous faites déjà craser, piller, effacer les symboles, ou du moins pour une fois, c'est arrivé instaurer dans l'espace ça. Et tu arrivé à faire ça, Jean-Noël, qui est lenteur au niveau des matchs qu'a fait pour venir en aide avec le pays. Malgré M. Sarou, dans la rue, il y a toujours pas de monde qui décide de prendre décision pour attaquer. Oui. Mais si tu arrivé à rentrer dans le palais, est-ce que ça t'a pas mettre nous en phase pour nous gagner un pays qui est dirigé par deux groupes, le groupe CPA et le groupe que M. Sarou a en tête, il y a même pour arriver à instaurer parce que. Si nous admettons que vous voulez préparer pour l'autre bagaille, autre que piller, vandaliser, virer, aller, vous avez instauré, est-ce que vous ne vous dites pas nous ne pouvons pas vivre une situation qui. Nous avons dit que nous ne pouvons pas vivre parce qu'il ne faut pas ignorer, vous avez un bagaille dans la tête quand même lorsqu'il y a bataille et vous avez longtemps à goûter avec les gens qui assurent la sécurité par l'air, vous toujours voulez rentrer en dedans par l'air. On nous essaie de garder une caricature comme ça. C'est laisser à tout système tomber véritablement. Oui, parce que le système, c'est-à-dire l'État a tombé véritablement. Parce que quand même, pas les arrêter symbole de l'État et du pouvoir. Exactement. Nous t'ai dit tout à l'heure, et symbole ça, l'important, et si je dis, c'est pas gouvernement qui gagne contrôle valeur, ça veut dire
pas de gouvernement. Ou bien ça veut dire son nouveau gouvernement. Moun pa gen contrôle pouvoir, le contrôle palais, c'est lui qui pa gen contrôle même de façon symbolique du pouvoir. Donc là ça n'a pas trouvé dans une situation côté c'est moun qui gen contrôle groupe capitaine dans palais. C'est lui même qui président, c'est lui qui dirige, c'est lui qui il a accès aux finances, il a accès à toute bagarre dans le pays, il a accès à pouvoir payer. Mais ce serait dommage que ces consultants que bagarre la fini, que l'arrivée fait. Et c'est ça que fait encore une fois. Je ne dis rien. Qui contrôle l'effort de sécurité des pays? Qui est-ce qui a l'ordre pour empêcher que nous entrions dans le pays? Et qui est-ce qui a mis les moyens à disposition pour empêcher que nous entrions dans le pays? Qui dispose de ces moyens-là? C'est l'ancien gouvernement. Enfin, je veux dire, c'est le gouvernement en place, le gouvernement démissionnaire. Tellement considéré que l'autre a fini, c'est le gouvernement démissionnaire. Donc c'est eux-mêmes qui ont jusqu'à présent la responsabilité de conserver le palais national en tant que symbole du pouvoir, du bureau et gourmet pour paraître bête que Gagnon entre dans le palais national. Donc ce serait vraiment, vraiment, vraiment grave. Et c'est la déchéance totale du pouvoir en Haïti. Et pour t'arriver, c'est Gagnon qui aujourd'hui a pas dicté à l'ensemble de la société la loi, la justice et qui genre même va fonctionner là, ça fait c'est ce que j'aime de la déchéance totale de cette société que d'arriver dans cette situation ça. On espère que la police et l'armée jusqu'à présent qu'un bon et jusqu'à ce que nous arrivions à une solution pour permettre que le nouveau pouvoir soit installé et non souffle, non petite pression au moins parce que mine de rien, la situation est vraiment, vraiment, vraiment étouffante pour ensemble pays, pour chaque citoyen de pays. Parce que chaque fois un citoyen arrive au matin, et puis il a réfléchi, il a regardé journée, je dis, par contre, ça qui va arriver, qui est-ce qui va le diriger le matin, son bagage qui frustrant, son bagage qui étouffant, ou pas qu'à prévoir aucun type d'investissement, pas qu'à faire rien même dans le pays. Ça veut dire où sont les gens qui vivent au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine. Mais moi, petit Jean, très anxieux dans ce sens-là, parce que je connais, entre deux groupes qui bataillent, ils vont arriver, ils vont avoir besoin de renfort. Ils vont avoir besoin de renfort, et tant que nous connaissons une sorte de démotivation de côté des policiers, et nous pas même besoin de parler pour monsieur Lameyo et si nous t'a gardé là gain plus possibilité gain plus chance pour ces monsieur vivre ensemble qui t'a un renfort dans ce sens ça et moi même moi ouais renfort de la part de qui moi voilà moi ben non ben voilà bien renfort moi bien et son dia parce que pas oublier monsieur Sayo pour nous t'a dit nous je dis qui est-ce qui a Lameyo qui est-ce qui qui va aux munitions pour y frapper, ça campe comme ça. Et voilà que la police nationale là lui-même, et ça a le besoin en termes de matériel, même ça l'État a décidé d'acheter, nous voyons comment ils viennent dans le pays, à quelle difficulté, à quelle défaillance qui est arrivé. Donc, et nous pas senti volonté communauté internationale là, qui vous a dit vraiment, Balvini, en renfort avec la police, avec l'armée d'Haïti face à M. Sayo, cap bataille et au senti qui n'a pas décidé de camper. C'est là, moi, je me dis, c'est pas mon danger là. Quand il s'agissait d'un renfort qui peut gagner bon côté ou nous, bon côté l'autre, et nous, elle est plus possible pour ces groupes vivants. Vous savez, depuis l'année dernière, la finalisant, rapport de force souterraine. Oui. Essayez de garder qui je. Rapport de force à Pralvini, et nous t'es toujours connu que la privée comme ça. Donc, de ça, nous t'es toujours pensé que la communauté nationale pour supporter la police nationale et l'armée pour résoudre le problème. C'est ça, nous t'es toujours pensé. Okay. Et ça fait de dire rapport de force là, la Pralmené vers groupe ça, parce que c'est la communauté nationale qui va déterminer qui côté rapport de force ça après le chita. Donc, renforce à Pralvini là. Ça parle dépendre de qui objectif qui ont qui ça voulait. Est-ce que vous voulez qu'aimer l'État Haïti en tant qu'État et vivant toujours, ou bien est-ce que il a fait mise en œuvre de volonté que vous avez pour faire que Haïti tourne son genre d'île depuis 2003 entité ingouvernable et entité ingouvernable et là ça vous avez l'attitude pour venir faire n'importe qui bagarre parce que vous savez vous pouvez faire gouvernement c'est vous pouvez mener toute bagarre et moi pense que les situations sérieuses, c'est des situations qui sont très très regrettables et qui, encore une fois, t'as dû interpeller
la conscience citoyenne de chaque monde qui est dans le pays pour finalement prendre décision, pour engager, que ce soit par le dialogue, que ce soit par la mise en place des groupes de réflexion, que ce soit par de groupes d'action, pour capable permettre que nous arrivions joindre on bagaille nous chita sous lit, on bagaille bien appuyer nous pour permettre que nous kembe encore vivant l'état de droit, l'état au côté nous capable de dire m'pa ka bon calotte parce que la justice interdit ça donc ça c'est intérêt tout citoyen pour que l'état, pour que la justice, que l'état de droit reste en vie malgré situation qu'il y a, parce que c'est lui même qui seul garantit pour permettre que nous en tant que citoyens nous on retenu une par rapport à l'autre dans zak nous dans ça n'a fait, parce que et côté que par l'État, par les citoyens. Et jusqu'à présent, président Vanel, il y a des groupes qui étaient quoi que tout ça qui gagne souterrain là, c'est blablabla. Bla. Solution, c'est la main reliée. Et ça, on va passer par eux-mêmes, pas gagner qui est possible. Est-ce qu'on pense bataille pour pouvoir au niveau politique, par une cause qui détermine ça qui gagne là tout? Même si il y a des monde qui pas avoué tête pour dire mais qui ça voulait, mais il y a des monde là qui pensent sans eux-mêmes rien pas possible dans le pays. Comment nous concevons pouvoir? Et pouvoir, est-ce que c'est parler de pouvoir physique là, maintenant d'abord? Oui, parler national et parce que jusqu'à présent. Mais ceci n'est pas le pouvoir réel. Malheureusement. Pouvoir qui règne au sein du palais national là, c'est pas ça le pouvoir. Non, c'est pas le pouvoir réel. Vrai mais pouvoir si pays à qui côté. C'est monde qui a déterminé l'intérêt. Ok. C'est ça que vous avez dit. Maintenant, d'accord avec nous, ça fait dit à l'heure. Qu'est-ce que nous dit là? Peut-être que je vais entrer dans le détail. Nous avons dit à l'heure, et j'ai posé des questions. Nous avons essayé de regarder qui groupe que nous avons indexé dans ce qui a passé jour. Ouais, ouais, c'est là le véritable pouvoir. C'est là le problème. C'est là le véritable pouvoir. Et c'est dans le groupe ça qu'on a cherché une solution. Parce que c'est eux-mêmes qui ont un véritable intérêt pays à la mer. Même les gens qui ont des gens qui ne peuvent pas manger en Haïti, il y a des gens qui sont milliardaires en Haïti. Oui. Dans le même pays que les gens qui ne peuvent pas manger. Le pays, ça que l'on fait pour un groupe, là, pour un groupe, c'est un paradis. C'est paradis. Donc, véritable chercher côté ça, situation ça, c'est là pour nous chercher. Côté véritable pouvoir, ça, qui permet que le conseil de groupe de monde qui a tout intérêt pays à la mer, qui a mine, qui a droite, qui a APN, qui a toute qualité de bagaille, qui a tout ce qui a proposé, l'argent qui a créé, qui a commerce à la mer, toute filière, tout bagaille à la mer. Mais c'est eux véritable pouvoir. Parce que c'est eux qui déterminent qui est le président, qui est le sénateur, qui est le député, c'est eux qui ont moyen pour faire des députés à sénateur. Malheureusement, la population n'a pas compris ni comme ça. Population courit sous chaque fois, ils mettent dans une situation pour nous jouer un besoin. Donc chaque fois, ils jouent un bail pour satisfaire un besoin, ils sont minimales, ils courent pour un et à partir de là, ils vont être pas ni compte de ça. Mais c'est ce véritable pouvoir ça, yo, qui détermine la situation que nous dire là. Et malheureusement, il y a un bail qui est grave. Ces véritables pouvoirs n'ont rien à voir avec le développement de ce pays. Parce que même pays ça, nous te dit le tout, c'est. Travail la donne, mais ce n'est pas là où vivre. Oui, madame, vous petit, vous intérêt. Donc c'est nous qui vivons dans un pays qui a intérêt pour une bataille, pour nous rétablir justement le pouvoir, rétablir le pouvoir, permettre qu'on ait un équilibre dans le pouvoir, ça, pour nous minimum nous-mêmes qui va permettre que nous. Mais vous-même, est-ce que vous ne pensez pas que vous créez un fossé et qui permettre que nous ne puissions pas arriver à joindre, parce que dans cette situation présentée. Mais vous n'avez pas fait un cadeau. Vous pas fait un cadeau. Fonction à ta fête. Et nous sentir avec phénomène vivant semblant pour nous-mêmes c'est pont hein. C'est pont ça hein, que vous mettez pour nous pas jamais même dit pont soit pont enflammé que nous pas jamais traverser pour nous arriver dans le cadre de négociation donc son fossé que vous mettez son fossé vous mettez pour nous pas traverser mais comprenez mais de dire tout à l'heure ça va pas être facile, ce sera pas un cadeau, c'est un combat. OK, il faut qu'il y ait des monde qui est déterminé pour combattre ça. Ça. Au contraire, ça que fait détermination pour combattre ça pas aussi forte que le tadroyé dans le pays, parce que nous pas connaît exactement la situation que nous vivons là, qui ça nous y est, qui ça que fait que nous là aujourd'hui. Et ça fait que deux fois on a parlé de pouvoir, mais nous pas jamais connaît qui ça que pouvoir réel là. Parce que le pouvoir dont on parle, son pouvoir fictif, c'est des représentants des groupes d'intérêt qui détiennent le pouvoir.
Ils passent pas au pouvoir. Ou du représentant. C'est clair. C'est des représentants de groupes d'intérêt qui détiennent le pouvoir. Mm-hmm. Et ceci à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mm-hmm. Dans ce pays. Donc c'est cette réalité-là que vous connaissez. Mm-hmm. Vous connaissez que nous-mêmes, tout, dans l'espace de pouvoir qui existe, que bah, nous avons accès à lui-même. Mm-hmm. Je veux parler, par exemple, de chambres de représentation. Mm-hmm. Bah, de sénateurs, députés. Alors, peuple là-bas, chambre représentée, oui. Parce que mm-hmm. c'est pas peuple là que j'aime mettre mon ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que, justement, cet engagement-là veut que citoyen lui-même, par rapport à l'intérêt, tu es capable de choisir une là-dedans et puis il dit, monsieur, prends les fins d'intérêt parce que je suis habitué à travailler avec, parce que je connais. Mm-hmm. Mais là, où il est dans une situation côté, il faut croire c'est ça le pouvoir, mais ce n'est pas le véritable pouvoir. Donc, on va faire un bagage qu'on ne même connaît. Parce que on couille dans un bagage qui n'est pas pouvoir vrai. Parce que le véritable pouvoir, c'est l'intérêt. Mm-hmm. C'est le monde qui détient les moyens de production dans le pays, qui a une force, qui a l'argent, qui a fait tout ça, et défait tout ça qui a fait dans le pays. Mm-hmm. Donc, encore une fois, cette prise de conscience doit être presque un doctrinement de l'ensemble des citoyens autour de la réalité de ce pays. Mm-hmm. Parce que c'est un problème, c'est que nous ne connaissons pas notre réalité. Nous vivons nos bagailles, nous, ça représente une réalité, ce n'est pas véritablement la réalité. Mm-hmm. Il faut chercher à connaître la vérité pour que ensemble nous construisons en force, il est capable de remettre en question ce qu'il a fait là. Et s'il n'a pas fait journée aujourd'hui là, moi peur que le pas jamais fait dans le pays. Président Manel, nous parlons pile matin, hein, mais pendant nous avons pile toujours pour nous dire, comme émission en grand format, nous avons obligé de faire place à l'espace économique émission hein, qui va être présenté par M. Pauline Jean-Aubert. Que je sais. Mais, comme d'où, nous sentons. Nous avons des mines dans les organes et si nous continuons à fouiller tant que j'ai radio télé pour faire la travers émission café au lait solution pays est capable de sortir dans l'émission ça oui lorsque n'a regardé ça gain dans ou comme richesse comme ça qu'on capable proposer sans nous pas flatter vous comprenez mais quand même les n'a regardé ensemble de invités nous gain dans l'émission hein. Et si le pays a mis cap sur les organes, plus particulièrement dans l'émission Café Olé, semble une solution dans ce plan. Parce que le matin, là, nous avons plus de parole. Et je ne sais pas si vous venez de parler vous-même, ou bien est-ce que vous êtes préparé, mais quand même, parole vous parlez. Ulysse, je pense que mon question est déposée tout à l'heure. Vous demandez côté solution sur la carte. Je dis que c'est chaque nous-mêmes. Oui, c'est ça. Parce que moi, je crois que jeudi, nous avons besoin de parler la parole de la vérité. Mmh, mmh. Et pour que nul n'en ignore. Voilà. Bon terme juridique. Mmh, mmh. Pour que nul n'en ignore, il ouais. faut ne pas les paroles de vérité. Pour que ça qui est pour faire là. Avec cœur, avec sincérité. Oui, ça qui est pour faire là. Ça qui est pour faire là, il fait en connaissance de cause. Mmh. Ce n'est pas parce que vous dites nous faisons rien à faire. N'a fait parce que nous connaissons ce qui est bon pour nous. Mm-hmm. C'est ça qui est fondamental. C'est ça. Il faut nous connaître qui est bon pour nous pour nous déterminer nos batailles pour nous acquérir ce que nous avons besoin. Encore une fois, et Radio Téléproche, par émission, ça, Café Olé particulièrement, par staff dirigeant qui accepte cette émission, ça fait, il y a une contribution inestimable dans ce qui est pour faire dans le pays. C'est ça. Et moi, je crois que. Je ne peux pas nous félicitations parce que tu es femme, même toujours dit, nous faisons partie de monde qui, dans la presse, là, pote formation et information qui est utile à l'ensemble de la société là, pour permettre que vous preniez des bonnes décisions en fonction de réalité, en fonction de besoins. Et moi, je crois que ce n'est pas la dernière fois que nous faisons cette émission. Continuez à faire. Parce que parole, ça a besoin de parler, mérité que nous parler. Et ceci à répétition. C'est ça, pour que tout le monde, pour que plus de monde possible tende et vienne conscient que engagement, ce n'est pas engagement au monde, mais c'est engagement nous toutes. Que nous avons besoin de jouer aujourd'hui pour nous sortir du pays de la crise que nous connaissons. Et nous avons dit une parole très forte tout à l'heure, je crains que si aujourd'hui nous pas prenons engagement, ça n'a pas fait. Pour pas tout le temps. Parfait, Président Vanel. Nous allons continuer à remercier même qui est attaché à l'espace. Et tant que nous dit là, le président Vanel, c'est une fois, et ce n'est pas la dernière fois, nous allons continuer à faire lire, nous allons continuer à parler. Entre-temps, nous allons faire place avec M. Pauline Jean-Aubert, que nous allons
offrir plateau à lui-même pour le porter rubrique économique parce que nous connaît économie représente sans une société les représente cher une société sans l'économie société a pas fonctionner et pour bien fait faut connaissance et faut que éducation économique et